بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عليه جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوان في الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتام التسليم Il va nous citer dans un hadith que nous vient d'Ibn Sa'ad رضي الله تعالى عنه Et ce hadith a été déclaré sahih par Cheikh Al-Albani rahimahullah في سلسلة الحديث الصحيحة Et dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم Il va nous exposer la différence qui se trouve entre les prophètes et nous. Al-Nabi صلى الله عليه وسلم Il dit, nous les prophètes, en parlant d'eux, les anbiya, eux les prophètes. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous les prophètes, nous dormons des yeux, mais nous ne dormons jamais du cœur. Allahu Akbar. Il dit, nous les prophètes, il peut arriver qu'on soit emporté par le sommeil. Il peut arriver que le corps il soit épuisé et qu'on soit emporté par le sommeil. Mais Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous les prophètes, à aucun moment de notre vie, on va connaître le sommeil du cœur. Allahu Akbar. Il dit, les yeux peuvent être ensommeillés, les yeux peuvent être touchés par le sommeil, mais jamais le cœur ne sera touché par le sommeil. Allahu Akbar. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il nous informe que, wallah, il a dit, il y a le sommeil du corps et le sommeil du cœur. Allahu Akbar. Il y a le sommeil des yeux et le sommeil du cœur. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici que la majeure partie des Banu Adam, ceux-là, ils dorment des yeux et ils dorment du cœur. Mais Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, eux les anbiya, eux les prophètes, souvent il arrive qu'ils dorment des yeux, mais jamais ils ne dormiront du cœur. Allahu Akbar. Cela voudrait dire de façon claire, wallah il a'adhim, que le cœur du croyant doit être constamment en éveil, wallah il a'adhim. Les ulama rahimahumullah, en analysant ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils vont nous dire que wallah il a radim, à quel moment on dit d'un cœur que ce cœur-là il est endormi dans la dunya? À quel moment on dit du cœur de Banu Adam que le cœur de l'homme a été touché par le sommeil? À quel moment on dira que ton cœur est éveillé ou bien que ton cœur a été touché par le sommeil? Allahu Akbar. Les ulama rahimahumullah, ils disent que le cœur du Banu Adam, n'est-ce pas, est touché par le sommeil lorsque le cœur de l'homme accepte de vivre dans la fausseté. Lorsque le cœur de l'homme se ment à lui-même. Lorsque le cœur de l'homme refuse la réalité et refuse d'accepter le haq qui est la vérité. Lorsque l'homme il vit dans le haram. Lorsqu'il oublie la cause d'Allah. Lorsqu'il vit dans la désobéissance et son cœur espère le bien à travers une vie de haram. Allahu Akbar. L'homme il s'éloigne d'Allah. Il va tourner le dos au Coran. Au livre d'Allah Jalla wa Ala. Mais malgré toutes ces aptitudes et toute cette désobéissance, le cœur du Banu Adam va toujours espérer obtenir le bien auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Cela voudrait dire qu'un cœur qui vit dans cet état-là, un cœur qui a cette conception de la vie, il pose des actions haram, il va désobéir à Allah et il espère récolter le bien à travers la désobéissance. Wa na'udhu billahi min hadha, qu'Allah nous en préserve de cela. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit le cœur du Banu Adam ne doit pas connaître le sommeil. Cela veut dire que le cœur du Banu Adam doit accepter de vivre dans le haq, dans la réalité. Voilà pourquoi Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith comme dit Ibn Asakir, rahimahullah, et comme l'a déclaré Sahih Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce noble hadith d'Ibn Asakir, rahimahullah, il dit de la même manière qu'il est impossible, Allahu Akbar, pour un croyant de retirer du raisin d'un arbre épineux.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, imagine que tu as une branche qui est remplie d'épines, un arbre qui est rempli d'épines, une branche épineuse. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, imagine que tu prends ta main, Allahu Akbar, et que tu essaies d'attraper cette branche avec des épines, et que tu serres cette branche épineuse de toutes tes forces. Il dit, après avoir serré cette branche épineuse, cet arbre rempli d'épines, est-ce que tu vas ressentir de la douleur, ou bien comme par magie, Allah il va faire naître entre tes mains du raisin, Allahu Akbar. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit, autant il est impossible de récolter du raisin ou du jus de raisin d'un arbre épineux ou d'une branche épineuse, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, de cette même manière, les pervers, les mécréants, ceux-là qui ont tourné le dos à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Nabi alayhi salatu salam, de la même manière qu'il est impossible de récolter du raisin d'un arbre épineux, il dit, de cette même manière, jamais les pervers n'accéderont au paradis d'Allah tabarak wa ta'ala. Jamais ceux qui vivent dans le haram ne vont entrer au paradis d'Allah jalla wa ala. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala fi surat al-Najm, Allah il dit jalla wa ala, wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى عليه جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض. Allah il dit, souvenez-vous que c'est à Allah qu'appartient tous les trésors des cieux et de la terre. Allah il dit, Jalla wa ala. Il dit, moi Allah, Jalla wa ala, j'accorderai le salaire du bien à celui qui aura fait le bien, et j'accorderai le salaire du mal à celui qui vivra dans le haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cela veut dire que wallahi l'azim, le croyant doit accepter de vivre dans la réalité. On doit croire avec la plus grande des certitudes, avec la plus grande des convictions, que le salaire du mal, c'est le mal. Le salaire de la désobéissance, c'est pas l'honneur dans cette dunya. Le salaire du mensonge, c'est pas l'honneur dans cette dunya. Le salaire de la fornication, c'est pas l'honneur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Le salaire d'une femme qui expose ses rondeurs, qui porte des jeans super serrés, subhanallah, qui vit dans le haram et qui refuse de porter le hijab. Le salaire de la désobéissance, c'est pas l'honneur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala, liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Allah il dit, soyez sûr et certain que le salaire du mal, c'est le mal, et le salaire du bien, c'est le bien. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala fi surat al-Jathiya, Allahu Akbar, Allah il dit au verset 21, am hasiba alladhina ijtarahu سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله أكبر الله أكبر. Allah il va poser une question à chacun d'entre nous. Allah il dit jalla wa ala, am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Allah il nous pose la question, Allah il nous demande, Allah il nous demande à chacun d'entre nous, am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Allah il nous demande, Allah il dit, pensez-vous que moi Allah, je vais traiter des gens qui vivent dans le haram, des gens qui se sont éloignés d'Allah, des gens qui ont abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu salam, des gens qui ont rabaissé les ordres d'Allah, des gens qui vivent comme ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, des femmes musulmanes qui vivent dans le haram, des jeunes musulmans qui vivent dans le haram. Allah il nous pose la question, am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi Allah,
pendant que vous vivez dans le haram, moi Allah, je vais vous traiter comme on traite des gens qui accomplissent de bonnes œuvres. Subhanallah. Allah nous demande, est-ce qu'on pense que pendant qu'on vit dans le haram, Allah il va nous traiter comme des croyants, comme des êtres soumis à Allah, comme des personnes qui ont valorisé Allah, pendant que nous dévalorisons Allah, on néglige nos salawat, on a tourné le dos au Coran, on vit dans le riba, dans le haram, on a abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu salam, nous sommes devenus des fornicateurs. Allah nous pose la question, am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Allah nous demande, pensez-vous que moi Allah, je vais traiter des gens qui font le haram comme des gens qui font le bien? Subhanallah. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah nous dit qu'ils vivent ou qu'ils meurent, celui qui vit dans le haram, jamais moi Allah je ne vais le traiter comme une personne qui vit dans le halal. Jamais. Allah dit sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Allah dit à celui-là, même s'il vit pendant 1000 ans, même de son vivant comme après sa mort, jamais je ne vais le traiter comme un croyant parce qu'il a vécu dans la perversité. Allah dit, quand vous jugez mal Allah, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Surat al-Jasiya, surat 45 au verset 21. Allah dit, comme ceux-là ils ont mal jugé Allah, Allah dit, on juge mal Allah, on a une mauvaise opinion d'Allah, on vit dans le haram, on vit dans la perversité et on espère recueillir le bien du haram. Subhanallah. C'est un jeune musulman qui a menti sur ses diplômes, hein, qui a triché pour entrer dans une entreprise, qui a menti sur son CV, hein, qui a trompé tout le monde. Aujourd'hui, il travaille, Allahu Akbar. Il a payé de gauche à droite pour obtenir ses concours, le poste qu'il a. Aujourd'hui, il occupe ce poste, Allahu Akbar. Il a désobéi à Allah. Il a dépassé toutes les limites. Il a gagné ce poste-là dans la tricherie. Et aujourd'hui, il travaille. Il a un salaire. Il est payé à 500 000, à 600 000 francs ou à 1 million de francs. Il a une bonne situation. Et il espère que l'argent qu'il va sortir de ce travail, chaque dépense qu'il va effectuer, il espère qu'Allah, il mettra la baraka dans cela. Allah, il va accepter tout ce qu'il donne à Allah, en oubliant qu'il a gagné sa vie dans le mensonge, dans la désobéissance et dans la tricherie. Allah. Allah il dit, am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah dit aux hommes que jamais moi Allah, je ne vais traiter ceux qui vivent dans le haram comme s'ils vivaient dans le halal. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. De leur vivant comme de leur mort, jamais je ne vais les traiter comme des gens qui ont vécu dans le halal. Jamais. Allah. Jamais. Voilà pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à vivre dans la réalité, mes frères, en Allah. Le croyant, il se ment pas à lui-même. Le croyant, il vit dans le haq. Ne laissez pas la dunya vous tromper. Ce bas monde nous ment au quotidien. Ce bas monde nous fait croire qu'il suffit de gagner sa vie dans la tricherie, on aura réussi. Ce bas monde nous fait croire qu'on peut mentir pour gagner notre vie. On peut duper tout le monde. On peut vivre dans le riba. Le plus important, c'est d'être millionnaire, c'est d'être milliardaire et on aura réussi. Allahu Akbar. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne vivez pas dans la fausseté. Naam. Ne vivez pas dans le mensonge. Vivez dans la réalité, que vous le vouliez ou non. La réalité est que si vous vivez dans le haram, Allah vous donnera toujours le salaire du haram. Et le salaire du haram, ce n'est pas l'honneur auprès d'Allah, Jalla wa Ala. Non. C'est le rabais et l'humiliation auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Fit dunya wa liyawm al-tala. Voilà pourquoi prenez surat al-fajr. Naam. Qu'est-ce qu'Allah il a dit, Jalla wa Ala? Parce qu'Allah il parle de ceux-là qui réussiront le jour de la résurrection. Lorsqu'Allah il parle de ceux-là, Allah il a dit qu'ils seront honorés par Allah, yawm al-tala, yawm al-qiyama. Comme l'a dit Allah, Jalla wa Ala. Allah dit, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Voilà ce qu'Allah dit. Allah dit, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Allah dit, oh toi âme apaisée, na'am, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya.
Allah dit, oh toi âme apaisée, rejoins ton Seigneur, rejoins Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Rejoins Allah, ton Seigneur, qui t'a agréé et qui a été satisfait de toi. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Allah dit, rejoins le groupe de mes adorateurs, de mes serviteurs, et ensuite tu entreras au paradis. Allahu Akbar. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne, mes frères? Allah. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne? Regardez bien ce verset. Allah, il a dit, d'abord, Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Allah, il dit, fadkhuli fi ibadi, d'abord et ensuite, wadkhuli jannati. Allah, il nous montre ici, regardez l'enseignement qu'Allah nous donne. Allah, il fixe des conditions. Allah, il fixe des conditions pour entrer au paradis. Allah, il nous montre ici que ceux qui vont entrer au paradis, ce sont des personnes qu'Allah a acceptées comme ses serviteurs, ses adorateurs. Allah, il dit, ceux qui vont entrer au paradis, ce sont d'abord ses adorateurs, des personnes qu'Allah a considérées comme ses adorateurs. Allahu Akbar. Allah, il dira, rejoins le groupe de mes adorateurs. Et ensuite, Allah, il dira, entrez au paradis. Ça veut dire pour entrer au paradis, faut qu'Allah il nous accepte comme son serviteur. Faut qu'Allah il te reconnaisse comme étant un serviteur d'Allah. Faut qu'Allah il t'ait accepté comme faisant partie de ses serviteurs. Si Allah t'a accepté comme son serviteur, alors Allah il dit, ta demeure finale sera le paradis, inshallah. Mais si Allah ne t'a pas accepté comme son serviteur, Allah il dit, tu n'entreras jamais au paradis d'Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, il dit d'abord, rejoins mes serviteurs. Et ensuite, mes serviteurs vont rejoindre le paradis. Allah Akbar. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères en Allah? Cela veut dire, Wallah il a dit, que le plus important dans la vie, dans la dunya, ce n'est pas que les hommes disent que nous sommes des musulmans. Parce que l'opinion que les hommes ont de nous ne changera pas notre situation le jour de la résurrection. Non. L'opinion que les hommes ont de nous, que tu trouves que je suis généreux, que je suis bon, que j'ai un bon comportement, que je suis un bon musulman, que je suis croyant, l'opinion que toi tu as de moi ne va pas changer ma situation le jour de la résurrection. Ça ne changera rien ma situation ce jour-là. Pourquoi? Le plus important, c'est pas que toi tu dises que je suis musulman. Le plus important pour moi, c'est qu'Allah m'accepte comme étant un musulman. Naam, naam, naam. C'est ça l'objectif. Le plus important, c'est pas que vous dites de moi, ou bien toi tu dis de moi que je suis un croyant. Le plus important, c'est qu'Allah me considère comme étant un croyant. Parce qu'Allah, il sait de moi ce que toi tu ne sais pas. Allah, il est avec moi quand il n'y a personne d'autre. Le jour où j'ai été la lumière, que j'étais dans le noir, en train de forniquer, Allah, il était là ce jour-là. Allah, il était témoin de cette action. Allah, il a vu cette action. Toi, tu peux penser que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de correct. Mais Allah, il sait qui je suis. Et c'est Allah qui me valorisera le jour de la résurrection. Allah nous montre que le plus important, c'est pas qu'on dise nous que nous sommes des bons croyants, mais qu'Allah il nous accepte comme étant ses serviteurs, ses adorateurs. Et pour qu'Allah nous accepte comme ses adorateurs, qu'est-ce qu'Allah il a dit? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Allah dit, pour que moi, Allah, je te considère comme mon adorateur, mon serviteur. Allah, il dit, arrange-toi pour que moi, Allah, faudrait que je t'agrée, faudrait que moi, Allah, je sois satisfait de toi. Allah. Faut qu'Allah, il m'accepte. Faut qu'Allah, il soit satisfait. Et ensuite, Allah, il va me considérer comme son adorateur. Et si Allah me considère comme son adorateur, alors je pourrai entrer au paradis d'Allah. Mais si Allah, il n'est pas satisfait, si Allah ne m'a pas agréé, même si tous les hommes de la dunya m'ont agréé, Allah ne va pas me considérer comme son serviteur. Parce qu'Allah n'est pas satisfait de moi. Parce que j'ai vécu dans le haram. Et si Allah n'est pas satisfait et qu'Allah ne m'a pas considéré comme son serviteur, jamais je n'entrerai au paradis d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Jamais. L'objectif, comment Allah il sera satisfait de moi, comment Allah il va m'accepter. Alors mes frères en Allah, l'objectif c'est qu'Allah il nous accepte comme ses serviteurs. C'est ça l'objectif. Wallah il a dit, c'est ça la clé de la réussite. C'est pas ce que les hommes ils pensent de moi, c'est pas ce que toi tu penses de moi. Mais qu'est-ce qu'Allah il pense de moi? Naam, c'est ça l'objectif. Wallah, c'est ça la clé de la réussite. Voilà pourquoi moi je vous pose une question. Est-ce que Allah aujourd'hui nous considère comme étant ses serviteurs?
avec notre négligence de la religion d'Allah. Allah, il dit, Jalla wa Ala, il dit, les serviteurs d'Allah sont des personnes qui valorisent la prière. Allah, il dit, il n'y a que des hypocrites qui vont dévaloriser la prière. C'est Allah qui l'a dit, Jalla wa Ala, fi surat an-Nisa. C'est Allah qui l'a dit. Allah, il dit, innal munafiqina yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salah, qamu kusala. Yura'un an-nas, wa la yathkuruna Allah illa qalila. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Allah, il a décrit les hypocrites dans le Coran. Allah dit, si on voit une personne accomplir la prière d'une telle manière, Allah dit, dites à celui-là que moi, Allah, je dis, c'est un hypocrite. Ce n'est pas encore mon serviteur. Il n'est pas encore mon adorateur. Allah, il dit, Jalla wa Ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Elle a dit, les hypocrites veulent tromper Allah, mais ils se trompent eux-mêmes. Elle a dit, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَةِ. Elle a dit, pour reconnaître un hypocrite, quelqu'un qui n'est pas sincère avec Allah, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَةِ. Elle a dit, tu verras que les hypocrites, lorsqu'ils vont se lever pour accomplir la prière, ils vont se lever avec la paresse. Allahu Akbar. Il a la paresse d'accomplir la prière. Allahu Akbar. La paresse d'accomplir la salat. Il a la paresse de se tenir debout devant son Seigneur, Jalla wa Ala. Allah lui a tout accordé. Une femme, une demeure, des enfants, du travail, de l'honneur. Et il a la paresse de se tenir debout devant Allah. Allah, il dit Jalla wa Ala. Wa idha qamu ila salah, qamu kusala. Allah dit, l'hypocrite, quand il se lève pour la prière, il se lève avec la paresse. Allah, il dit, ça c'est un trait d'hypocrite, c'est la prière du munafiq. Allah, il dit Jalla wa Ala. Yura'un an-nas. Yura'un an-nas. Allah dit, deuxième signe pour démasquer un hypocrite, quelqu'un qui n'est pas sincère avec Allah, il fait semblant d'être bon musulman, mais il est loin d'être bon musulman. Allah dit, yura'un an-nas. Allah dit, deuxième signe, Allah dit, cela, ils vivent pour le beau yeux des gens. Ils vivent pour le regard des gens. Le plus important pour eux, c'est ce que les gens ils disent d'eux. Allahu Akbar. Même sa manière de prier change en fonction du regard des gens. Quand tout le monde le regarde, il prie bien. Quand tout le monde le regarde, il embellit bien sa voix. Quand tout le monde le regarde, il reste prosterné longtemps. Mais quand il est seul, sa prière, c'est tac, 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 salamu alaikum. Yura'un an-nas. Allah a dit cela. Il vit pour le regard des gens, pour le beau yeux des gens. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Elle a dit, troisième signe, pour démasquer quelqu'un qui n'est pas sincère avec Allah. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Surat al-Imran. Naam. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Allah qui l'a dit, Jalla wa Ala. Elle a dit, Tabarak wa Ta'ala. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Elle a dit, troisième signe, mes hypocrites, ceux-là qui ne sont pas sincères avec Allah. Elle a dit, lorsque commence la prière, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Elle a dit, quand tu les vois évoquer Allah, dans les évocations qu'ils font dans la prière, elle a dit, ils évoquent Allah que très peu. Ils se précipitent à évoquer Allah dans la prière. Quand ils évoquent Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. C'est comme ça qu'il fait sa salat. Tac, 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 il a fini. Allah, il dit, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Elle a dit, les hypocrites, ils n'ont même pas le temps pour évoquer Allah normalement. C'est tac, 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 salamu alaikum. Et il a fini sa salat. Allahu Akbar. Allah, il dit, elle a dit, les hypocrites, encore un autre signe. Elle a dit, on ne sait pas dans quel groupe les classer. Le matin, il est avec les croyants. Le soir, il est avec les pervers. À la mosquée, il est proche des croyants. Il dit, salam alaikum, tu es mon frère en Allah. Moi, je suis un croyant. Le soir, il est dans le haram, en train de forniquer avec des pervers dans une boîte de nuit. Son comportement change du jour au lendemain. Aujourd'hui, il est avec Allah. Aujourd'hui, il est croyant. Et demain, tu te demandes s'il est devenu un mécréant ou un pervers. Tu ne peux pas le reconnaître. Tu ne sais pas dans quel groupe le classer. Est-ce qu'il est avec les croyants ou bien avec les mécréants? Muzabzabina bayna dhalik. C'est Allah qui l'a dit. Wallah, moi, je vous pose la question. Allah, il dit que lui, ses serviteurs, il les agrée, il est satisfait d'eux. Allah dit, lui, ses serviteurs, lui, Allah, il sera satisfait de le jour de la résurrection. Vous pensez que vous êtes de vrais serviteurs? Alors répondez à cette question. Est-ce qu'Allah, il est satisfait de la vie que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'Allah il est satisfait de la vie que tu mènes aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que c'est Allah qui l'a dit. Allah dit, pour que moi Allah je t'accepte le jour de la résurrection, faut que moi Allah je t'ai agréé, faut que je sois satisfait de toi. Et ensuite je vais te compter comme faisant partie de mes serviteurs. Alors pose-toi une question. Est-ce qu'Allah il est satisfait de la vie que je mène aujourd'hui? C'est ça la question. Naam, naam, naam.
Parce que c'est ça la clé de ma réussite. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 25 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans. Je ne sais pas lire le Coran. Est-ce qu'Allah, il est satisfait de moi? Allahu Akbar. J'ai 60 ans, je suis encore un pervers et un fornicateur. J'ai 40 ans, je vis encore dans le haram. Je suis une jeune fille, je ne mets pas le hijab. Est-ce qu'Allah, il est satisfait de la vie que je mène aujourd'hui? C'est ça la question. Si Allah, il n'est pas satisfait, que les hommes, ils sont satisfaits, je me fous le doigt dans l'œil. Parce que je serai le plus grand des pères dans le jour de la résurrection. Voilà le bilan qu'on doit faire. Est-ce qu'Allah, il est satisfait de moi? Est-ce qu'Allah, il est satisfait d'un jeune qui a à peine 30 ans, mais qui nage dans la fornication? Est-ce qu'Allah, il est satisfait d'une femme qui se marie bientôt, mais qui a perdu sa chasteté, qui est déjà souillée? À moins qu'elle se soit répandue, bien sûr. Est-ce qu'Allah, il est satisfait d'un jeune musulman qui a menti pour gagner sa vie, pour entrer dans une entreprise? Est-ce qu'Allah, il est satisfait d'un homme qui a triché, qui a donné de l'argent de gauche à droite pour réussir un concours? Vous pensez? Est-ce qu'Allah, il est satisfait de la vie qu'on mène aujourd'hui? Si oui, Allah nous acceptera comme ses serviteurs. Sinon, nous devons tous revenir vers Allah. Rechercher le pardon d'Allah. Et s'attacher à Allah, Jalla wa Ala. Wallah il a dit, la porte du repentir est toujours ouverte. On doit toujours courir vers Allah. Et rechercher les faveurs d'Allah. Parce que Wallah il a dit, la vie qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas une vie digne des adorateurs d'Allah. Ce n'est pas une vie digne des serviteurs d'Allah. Les musulmans d'aujourd'hui sont devenus des pervers, des menteurs, des gens qui vivent dans la fausseté, des gens qui trompent tout le monde, des gens qui insultent tout le monde, des gens qui ont rabaissé le Coran. Wallah, il y a des gens qui ont abandonné la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Les femmes musulmanes aujourd'hui ne portent plus le hijab. C'est des mèches, c'est des jeans. Le cou, il est dehors. Le bras, il est dehors. Les pieds sont dehors. Aujourd'hui, on a abandonné le chemin qu'Allah nous a tracé. Arrêtez de faire des débats inutiles. Posez-vous une seule question. Est-ce qu'Allah, il est satisfait de la vie que je mène aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la vie que tu mènes, Allah, il est satisfait? Allah, il t'appellera le jour de la résurrection, puis Allah, il dira, je vais te récompenser parce que tu as porté des mèches, parce que tu as porté des jeans. Je suis tellement fier de toi que je te donne la récompense qui est le paradis. Allahu Akbar. Est-ce qu'Allah, il va nous agréer avec la vie qu'on a menée? Est-ce qu'Allah, il sera satisfait? Wallah, c'est ça la question. Wallah, c'est ça la question. Chacun doit méditer sur cela. C'est ça le plus important. Le prophète, alayhi salatu salam, il nous l'a enseigné. Les sahaba, radiyallahu ta'ala, adhum. Wallah, ils l'ont compris. Regardez la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala. Ils l'ont poignardé. Ils l'ont poignardé en pleine salat, en pleine prière, mes frères en Allah. Ils l'ont poignardé en pleine prière, mes frères en Allah. En pleine salat, il est en train de prier. On dit tellement, celui qui l'a poignardé avec une dureté. On dit, il est tombé dans les paumes. Quand il est tombé, les musulmans ont continué la prière. Après la prière, ils l'ont soulevé et ils l'ont conduit quelque part. Il est rapporté que lorsque Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, lorsqu'il s'est réveillé après s'être évanoui, on dit qu'on pouvait voir le trou, tellement on l'avait poignardé violemment. On dit même lorsqu'il buvait de l'eau, l'eau sortait parce que son intestin était perforé, tellement la douleur était grande. Mais dès que Omar ibn al-Khattab s'est réveillé de l'évanouissement, la première question qu'il a posée, il a demandé, est-ce que les musulmans ont accompli la salat? Est-ce que lorsque moi on m'a piqué quand je suis tombé, c'était moi l'imam? J'espère que les musulmans n'ont pas coupé la prière pour s'occuper de moi. Allahu Akbar. C'est Omar qui le dit. Il dit, j'espère qu'ils n'ont pas abandonné la salat parce que moi je suis tombé, parce qu'on m'a poignardé. Il dit, j'espère qu'ils ont fini et qu'ils ont accompli la salat. Et les gens lui ont dit, ya Omar ibn al-Khattab, na'am, les musulmans ont accompli la prière. Ils n'ont pas délaissé la salat. Ils ont fini la salat avant de s'occuper de toi. Il était rassuré. Allahu Akbar. Regardez la valeur qu'eux ils donnaient à la salat. Mais nous aujourd'hui on prie quand on veut. On prie comme on veut. On fait ce qu'on veut. Aujourd'hui on se plaint beaucoup. Mes activités ne marchent pas. Ma boutique ne marche pas. Ça ne va pas dans mon foyer. Mon mari ne me respecte pas. J'arrive pas à avoir d'enfants. Ma belle famille me rabaisse. Chacun a ses problèmes, chacun a ses épreuves. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai pas d'enfants. Dans mon travail, ça ne va pas. Ça fait des mois que je n'ai pas payé mon loyer. Chacun a ses soucis. Mais wallah, il a radé. On oublie en fait. On oublie en fait. C'est qu'Allah il nous a montré. Que lui, Allah, il nous l'a dit dans le Coran. Allah nous a enseigné. C'est un enseignement qu'on ne doit jamais oublier. Allah dit Jalla wa Ala. C'est une parole qu'on ne doit pas oublier. Allah, Jalla wa Ala, il a maudit dans le Coran des personnes qui prient et qui vont négliger la prière. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Allah dit que la malédiction d'Allah tombe sur une personne qui prie, mais qui néglige la prière. Allah parle de la négligence de la salah. Il prie, mais il ne valorise pas la prière. Il prie comme il veut. Tac, tac, tac. Allah est en train de nous dire que lui, Allah, il va nous traiter dans cette dunya de la même manière qu'on va traiter la salah. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire si tu respectes la prière, Allah, il va te valoriser. Ça veut dire si tu valorises la prière, Allah, il va te valoriser. Mais si tu as rabaissé la prière, Allah, il va te rabaisser. C'est comme ça. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup, mais notre prière, elle est comment? Tu dis, ça fait des mois que tu ne travailles pas. Tu dis, ta boutique ne marche pas. Mais à cause de cette même boutique, tu as délaissé la prière. Pourquoi tu te plains? Hein? À cause de la même boutique, là, tu ne pries pas bien. Tu as délaissé la salah. Et tu te plains que la boutique ne marche pas. Celui qui devait faire marcher la boutique, c'est Allah. Allah, il dit, si tu négliges la prière, lui, Allah, il te néglige. Tu rabaisses la prière, lui, Allah, il te rabaisse. Tu as rabaissé la prière à cause de ta boutique. Allah, il t'a rabaissé et ta boutique ne marche pas, c'est normal. Hein? Tu dis, aujourd'hui, ça ne va pas dans ton entreprise, on doit te licencier. Tu n'as plus de projet, tu n'as plus de contrat. Mais est-ce que toi, tu as valorisé ce qui avait de la valeur aux yeux d'Allah? Tu veux qu'Allah te valorise, qu'Allah valorise tes projets. Tu veux qu'Allah réalise tes projets. Mais est-ce que toi, tu as donné de la valeur à ce qui était important aux yeux d'Allah? La chose la plus importante aux yeux d'Allah, c'est la prière, tu l'as pas fouée, tu l'as rabaissée. Tu pries comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu pries en retard, tu fais tout ce que tu veux. La chose la plus importante aux yeux d'Allah, après le tawhid qui est la salah, tu l'as rabaissée. Et tu veux qu'Allah donne de la valeur à tes projets. C'est Allah qui va réaliser tes rêves pendant que toi, tu as rabaissé ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Regardez comment vous traitez la prière. Et vous allez savoir qu'en réalité, la clé de nos malheurs dans cette dunya est liée à quoi? À la valeur qu'on donne à la prière. Voilà pourquoi les savants ils disent, lorsque le shaitan veut faire perdre un croyant, lorsqu'il veut te faire vivre dans la misère, on dit la première des choses qu'il essaye de détruire dans ta vie, on dit c'est le tawhid. Ça c'est la première des choses. Il va t'emmener à ne pas avoir une bonne croyance. Il va t'emmener à croire au charlatan, au marabout, au shirk. S'il n'a pas pu faire de toi un homme de shirk, on dit la deuxième des choses qu'il va détruire dans ta vie, c'est ta prière. Peut-être que tu n'es jamais allé voir un marabout, mais tu vas négliger la prière. Et il suffit que tu négliges la prière pour que ta vie dans la dunya devienne difficile et invivable. Et Allah fera descendre sa malédiction sur toi, juste à cause de cela. Voilà pourquoi mes frères en Allah, acceptons de vivre dans la réalité. La vérité, comme l'a dit le prophète, le salaire du bien, c'est le bien. Le salaire du mal, c'est le mal. Le salaire de celui qui a négligé la prière, c'est le rabais et l'humiliation. C'est pas l'honneur auprès d'Allah. Le salaire d'un tricheur, c'est la perte, c'est l'humiliation. C'est pas l'honneur auprès d'Allah. Le salaire d'une femme fornicatrice, c'est pas l'honneur. Ou d'un homme fornicateur, c'est pas l'honneur. Acceptez de vivre dans la vérité et recherchez les faveurs d'Allah dans le halal et vous réussirez. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala.